C'était le 21 mai 2013, ma toute première vidéo sur Borderlands 2. Salut à tous, c'est Picatonk, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, petite vidéo, enfin grande vidéo plutôt, un peu inattendue. Et donc nous sommes sur Borderlands 2, première vidéo sur Borderlands 2. Et aujourd'hui, eh bien, on a fait une tentative de spawn de Vermivorous, qui est l'un des boss invincibles du jeu. Ils étaient des millions. Aujourd'hui, et à la fin de cette aventure, ils ne seront plus que deux. Où on va parler donc, comme vous le voyez, du flaqueur. Alors le flaqueur, tout le monde se moquait de cette arme avant, mais ça, c'était avant, parce que vous allez voir sur cette vidéo que on a trouvé une utilité au flaqueur, c'est tout simplement aller violer le boss de fin du Digitrust. Yes, papa! Yes, papa! C'est ça qui est bon! Le vermi est là! Et maintenant... La vache! Sale gosse brutal ultime, mon gars! On va évoluer tout de suite! On va se faire un yes, papa, mon gars! Attends. On va se faire du yes, papa! Oh! Oh! Oh, mon gars! Sous vos oreilles ébahies, Mimi Jet 27 est en train d'ouvrir son blister de Borderlands, The Pre-Sequel. C'est magnifique! Oh. On a réussi, défi réussi. On a rincé Hyperiouche. Hyperiouche et les Vinciblouche. Borderlands 2 et Borderlands The Pre-Sequel. C'est près de 3000 heures de jeu pour moi. Ouais, ne force pas ton accent, surtout, hein. Eh, c'est bon, quoi. T'as quoi? Des tonnes de vidéos. Et bien évidemment, du Vermivorous. Double vermi. Oh, putain, double vermi. Oh oui, oh, yes, papa. Yes, papa. Double Vermivorous, mon gars. Double verbe. Allez, allez! Yes, papa! 191! Alors merci, et au revoir Borderlands 2 et Borderlands The Pre-Sequel. C'est la fin de 6 merveilleuses années avec des tonnes de souvenirs, et maintenant, place à Borderlands 3.